Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant, car demain, il sera peut-être trop tard. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je vais partager des informations pertinentes avec vous. Voilà, mais avant d'y arriver, je tiens à remercier tous nos followers de par le monde entier. Merci encore pour votre soutien. Merci encore pour votre encouragement en notre gars. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, la chaîne Entrepreneur Web 3.0 est une chaîne qui parle d'entrepreneuriat, une chaîne qui parle de projet crypto, une chaîne qui parle de mindset, une chaîne qui parle de metaverse, une chaîne qui parle de NFT. Voilà. Donc, si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, abonne-toi maintenant pour ne rien louper ou pour être toujours notifié quand il y aura une nouvelle publication, car l'information n'est à celui qui ne l'a pas. Donc, et sur ces chaînes, tu auras toujours de la valeur ajoutée, tu auras toujours une plus-value par rapport aux autres. Donc, c'est très très important pour toi de t'abonner, de liker et de partager. Voilà. Et sache également que au quotidien, nous faisons ce qu'on appelle l'analyse technique et fondamentale des projets crypto. C'est également indispensable afin de pouvoir prendre position sur certains projets. Et nous avons aussi un programme de formation taillé sur mesure en fonction de vos besoins. Donc, la formation reste vraiment de mise. Tout le monde devrait être prêt pour pouvoir suivre cette révolution numérique. Donc, pour pouvoir être en phase avec cette révolution numérique qui créera trois catégories de personnes. Il y aura des millionnaires, des milliardaires et des témoins. Voilà. Donc, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Voilà. Donc, mes chers leaders, investisseurs, voilà. Donc, ne naviguez pas dans les crypto-monnaies n'importe comment. Donc, restez concentrés sur les bons projets et mettez le paquet et le reste serait juste de patienter. Voilà. Donc, et soyons des bons holders comme a toujours dit le CEO de Binance, il nous a toujours martelé d'être des bons holders. Qu'est-ce qu'un bon holder? Un bon holder, c'est celui qui met sa crypto-monnaie au frigo, met ses pièces au frigo et ne panique pas quand le marché est rouge. Donc il attend le bon moment quand la monnaie a pris suffisamment de valeur. Voilà. Si il faut se projeter, on peut se calquer au projet Shiba. Vous voyez que ceux qui sont entrés dans le projet Shiba en janvier 2021, voilà, et qui ont bien holdé leur pièce jusqu'au octobre, voilà, la plupart sont milliardaires et les autres aussi sont des millionnaires. Voilà, tout dépend du nombre de pièces que tu avais. Donc, ici, je vais prendre des exemples, voilà, pour vous expliquer la portée des pièces et les prédictions. Voilà, les prédictions de certaines pièces ici-là. Voilà. Voici le projet Matic ici. Donc, en 2020, elle valait 0,01. En décembre 2020, bon, un an après, elle était à 0,05. Donc, en décembre 2020, avec 50 dollars, c'est-à-dire 25 000 francs CFA, on pouvait avoir 5 000 pièces de Matic. Matic ici, c'est Polygon, hein, voilà. Pour aujourd'hui, un an après, disons en 2021, la crypto-monnaie, il faut juste faire 5 000 fois le prix actuel pour avoir la valeur en dollars. Donc voilà la valeur en dollars là-bas, la valeur en dollars telle que vous voyez là, donc 10 000 dollars. Donc tu es entré dans ce projet avec 50 dollars. Un an après, tu te retrouves avec 10 000 dollars. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça, c'est du holding. Voilà, parce que pendant ce temps, il y a des personnes qui ont paniqué. Peut-être quand la pièce ou le jeton a subi des corrections, ils sont sortis du marché, mais ceux-là ont perdu. Voilà, parce que quand on sortait du marché, voilà, quand vous voulez entrer, le prix est en train d'augmenter. Vous avez le sentiment que ça va que baisser, mais ça ne fait qu'augmenter.
Là, ça devient un peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être formé pour être à même de pouvoir décider, de pouvoir juger, donc de pouvoir prendre les bonnes décisions. Voilà, en sa faveur. Parce qu'il faut savoir que en termes d'investissement ou en termes de trading, on peut rapidement perdre, comme on peut rapidement gagner aussi. Mais tout cela émane de la compétence. Voilà. Et la compétence découle de la formation. Donc, si on se calque aussi au niveau. Là, nous sommes en 2022. Hein, voilà, bah, ici, bon, je prends juste l'exemple sur les années passées. On se calque toujours sur le passé pour avancer. Voilà. Donc, le cas de Gala également. Gala, il avait 3-0 après la virgule. Tu vois, en décembre 2020, il a brûlé jusqu'à. Il a brûlé ses 3-0. Donc, en un an, il a brûlé ses 3-0. Donc, ceux qui sont entrés dans le projet juste avec 20 dollars, juste avec 20 dollars, après un an, ils étaient dans les 40 000 dollars. Voilà, on continue. Donc, c'est pour vous dire, alors, c'est comme ça la puissance de la crypto-monnaie. En même temps, tout dépend du projet. Ici, le Galaxy, c'est une crypto-monnaie qui a vraiment performé en 2021. Parce que le Solana aussi, en 2020, elle était à 1,85. Et en décembre 2022, elle était à. Oui, 200 dollars. Donc, un temps après, vous voyez la plus-value qu'elle a eue en un an. C'est-à-dire que celui qui avait 200 pièces investies en ce temps-là, donc aujourd'hui, il a environ 40 000 dollars. Voilà, donc les chiffres sont importants, mais c'est de ça qu'il s'agit. Bon, n'en parlons même pas du Shiba. Je ne veux même pas parler du Shiba ici parce que le Shiba, c'est extrême. Donc, le Shiba, c'est vraiment extrême. Voilà, j'ai fait déjà des vidéos sur le Shiba. Voilà, j'ai fait des vidéos hier. Voilà, donc j'ai fait des vidéos déjà, oui, par le passé, sur le Shiba, montrant la progression du jeton. Voilà. Mais, jusqu'à présent, les projets, à mon avis, qui ont vraiment rendu des personnes millionnaires et milliardaires. Les mêmes coins. Il y a le Doge, il y a le Dogecoin, il y a le Shiba. Voilà, parce que ce sont des projets vraiment qui ont rendu des personnes lambda, des personnes lambda qui ne connaissaient même rien à la crypto-monnaie. Peut-être qu'ils avaient aussi acheté ça pour acheter et qui sont devenus millionnaires par après. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, j'ai partagé avec vous trois projets ici, trois costauds projets actuellement, dont le Solana a sa propre blockchain, c'est un coin. Ici, le Gala, ici, le Gala, et le Matic, ici, c'est Polygon. Vous voyez que Polygon a sa propre blockchain. Voilà. Et ça, et la blockchain Polygon est vraiment très très bien parce qu'elle vient résoudre un problème. Voilà, c'est de l'interopérabilité. Voilà. Donc, entre les blockchains. Donc, les gars, c'était juste pour partager cette information avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de partager, à liker et aimer cette vidéo afin de permettre son référencement naturel. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Si vous avez des questions ou des idées, voilà, ou des suggestions ou des avis, les commentaires restent disponibles. Mais ne soyez pas chiche en like, ça encourage toujours d'une manière ou d'une autre. Bye bye.